se poste devant toi. Oh, couronne jetée à tes pieds. Moi, le Dieu de la veuve, de l'orphelin. Oh, où qui tu es, Jésus? Oh, un cœur à cœur avec ton Dieu. Vois-toi devant le trône de la grâce. Majesté. Pense plus à rien, pense à Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un, imagine un seul instant ce prix qu'il a payé à cette croix de Golgotha. Mort et ressuscité d'entre les morts. Bien-aimé, lorsque nous partons en Israël, vérifions effectivement que le tombeau est vide. Parce que le Christ est ressuscité. Et si nous sommes venus en ce lieu, c'est pour encore reconnaître la résurrection de ce Dieu. Si nous avons laissé tout ce qui est occupation, travaux, maison, enfants, parents, famille, pour venir en ce lieu, ce n'est pas pour écouter un homme, ni même regarder le visage d'un être humain. Mais ma prière pour toi, c'est que tu regardes Jésus-Christ en face et qu'au sorti de ce lieu, ton image change. Parce qu'il dit, nous sommes transformés en la même image de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle position tu vas occuper maintenant. Mais
et que personne ne te dérange. Même les pensées les plus proches ne doivent pas te déranger. Tu es venu rechercher ton Dieu, tu es venu lui parler, tu es venu l'adorer en esprit, en vérité. Déposer tout ce qui est souci, fardeau, problème, situation compliquée. Et dis: Seigneur, mon âme t'adore. Malgré tout ce que je traverse, mon âme t'adore. Malgré tout ce que je vis, mon âme t'adore. Que rien ne m'empêche de t'adorer. Que rien ne m'empêche de te prier. Que rien ne m'empêche de te contempler en ce matin. Des temps à passer. Connecté à ce moment, s'il te plaît, connecte-toi.
Nous sommes en train d'aller quelque part, ne reste pas en marge, ne reste pas derrière. Le Saint-Esprit a commencé à faire beaucoup de bien à certaines personnes. Nous voulons arriver à un moment où nous ne serons plus maîtres de nous-mêmes parce que c'est le Saint-Esprit qui va prendre toute la place. Et nous allons effectivement contempler l'agneau. Alors que rien ne te dérange, que rien ne t'empêche de pouvoir monter en ce matin. S'il te plaît, connecte-toi et commence à monter en esprit. Car j'ai mis de côté tous mes maux, mes soucis, pour m'offrir moi-même en sacrifice. Car j'ai mis de côté tous mes maux, pour m'offrir même en sacrifice tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi, mon Dieu. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Le parfum qui chante, un parfum qui danse. Oh,
Dragos. Est-ce qu'on peut monter en ce lieu? Malabradosha. Est-ce que des personnes peuvent se lever? Nous allons commencer à parler. Si tu peux te lever, fais-le. La bradoche Elikos Kintamamosha. Et si tu peux marcher dans les allées, n'hésite pas. Olo Karadosha. Elemaradada. Ikanoche Karadosha. Vas-y, commence. Ale Bradosh Karabala. Monte.
puissance. Tu as raison de battre ta main. Toi le Seigneur. Tout puissant. Digne est l'agneau. Dis-le encore. Tu es saint. Ah. Alebrado charabayonte kamama. Oh, que ta bouche confesse cela, toi le sais. Tout puissant et digne l'agneau de Dieu.
Thank you.
celui qui règne à jamais, le peuple de Dieu. C'est lui qui règne à jamais. Oh. Ah. Confesse-le en ce matin. Au-dessus de tout, il règne à jamais. Yeah. Au-dessus de tout, c'est mon Dieu qui règne à jamais. Oh. Je le confesse, je le proclame, il règne à jamais, à jamais. Oh. En ce matin, il règne à jamais. Oh, il règne à jamais. Yeah, il règne à jamais. Mon Dieu là, il règne à jamais. Dans mon ministère, il règne à jamais. Désormais dans ma vie, il règne à jamais. Désormais dans ma famille, il règne. Dis-le, dis-le. Désormais dans mon pays, il règne. Oh, désormais dans ma famille, il règne. Je le confesse, je le proclame. Yeah, yeah, yeah. Oh, dans mon travail, il règne. Hey, dis-le, dans ma maison. Maison. Oh, je vais entendre la voix de quelqu'un. Dans ma maison, partout où je pose les pieds, c'est mon Dieu qui règne à jamais. Oh, 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 il règne à jamais. Il règne à jamais. Jamais. Yeah,
Maintenant, il chante plus fort. Fils béni, du Dieu tout-puissant, et moi j'adore le roi de gloire, et mon cœur célèbre ton amour. Alléluia. Nous allons nous lever et chanter ce cantique avec joie. Parce que c'est Dieu qui règne, c'est le roi qui règne. Il est digne de louange et d'adoration. Alléluia. Digne-tu, Jésus de Nazareth.
Je vais entendre ta voix chanter plus fort. Dis Dieu tout-puissant. Ce matin, et moi j'adore le roi de gloire, et mon cœur célèbre son amour. On va encore reprendre, on insiste sur ces paroles. Digne es-tu, Jésus, imprègne-toi de ces paroles. Fils béni, Dieu nous puisse enfant. Et moi j'adore le roi de gloire. Et mon cœur se lève, son amour. Et tu vas dire ceci. Jésus est adoré, Jésus est adoré. Dis-le plus fort. Exprime quelques paroles. Thank you.
Lève ta main et dis-le. Hosanna. Hosanna. Au plus haut de ce que notre roi. L'Assemblée peut lever la main et le dire. Hosanna, Hosanna, au plus haut. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Que notre roi. Fais monter ta voix au plus haut. Marabo Chatarabalayent. Tu as raison de parler. Que notre roi. Qu'il soit glorifié. Hosanna. Amamamabosha. Ibrado Charabayont. Écoute, fais monter encore ta voix. Dis-le. Hosanna. Hosanna. Hosanna, Hosanna, au plus haut. Ya 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 ya. Que notre roi, que le roi de gloire, que Jésus. Yeah. Hosanna. Fais monter encore, fais monter encore, fais monter encore. Marado, Charabalabaye, est-ce qu'on peut le dire en battant des mains? Hosanna, Hosanna. Ya, ya. Oh, fais le bien, fais le bien. Au plus haut des cieux. Si Jésus n'est pas élevé dans cette nation, si Christ n'est pas élevé dans cette nation, tout ira mal. C'est pourquoi en ce matin, nous élevons le trône de Yeshua. Nous élevons Jésus-Christ sur cette nation. Comme un étendard, comme un étendard. Écoute, joins-toi à moi et fais monter encore, dis-le encore. Hosanna, 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 Hosanna. Et dans la bouche, allez, bradados, et les mamans, mamans, au plus haut. Et dans l'eau, da 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 da. Que notre roi. Oh.
Chataradadadada. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Que celui qui est baptisé par le Saint-Esprit élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Élève le Dieu puissant. Arado Chadadada. Élève à l'autre, maman, maman, maman. Jésus.
Thank you.
le dit. Jésus. Mes mains. Jesus,
et chante. Qui guérit les malades, qui me donne la joie du cœur. Alléluia. Il n'a pas changé, il reste le même. Ce Dieu qui m'a restauré, alléluia. Ce Dieu qui m'a restauré, pardonné. Oh, 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 alléluia, alléluia, alléluia. Oh. Des cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire pour ce immense bonheur? Alléluia. Que Jésus a mis dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Qui a fait école de dimanche? Et ça, ils sont les vieux cantiques. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre? Le refrain fait ceci. Amen. Amen. Amen, amen. Amen.
pousser des cris de joie. Et nous allons terminer avec ce cantique. Yeah.
nous sommes en train de terminer, nous allons prier ensemble pour ce dernier sujet. Nous allons prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Le monde des ténèbres s'est levé contre cette nation. Et si nous, en tant que chrétiens, si nous ne nous levons pas pour arrêter cela, c'est pas bon. Nous allons lever la voix et prier pour cette nation. Et tout ce qui se passe, c'est parce qu'il y a eu des décrets qui ont été signés dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi nous subissons cela aujourd'hui. Alors, enfant de Dieu, fils du royaume, fils du Très-Haut, nous allons prier sérieusement pour cette nation. Élève ta voix et prie le Seigneur. En 5 minutes, élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prends des décrets divins. Élève ta voix et prie le Seigneur. Dans le règne de Jésus dans cette nation. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Il nous reste quelques minutes, élève ta voix et prie. Oh,
Soyons présents en ce temps de contemplation. Comme un seul homme, nous allons élever la voix pour prier encore pour notre nation ivoirienne. L'esprit s'est déchaîné sur notre pays. La vie est devenue chère. Des familles passent des nuits sans avoir à manger. Des enfants qui pleurent et qui disent « J'ai faim ». Des enfants qui se livrent à la drogue, à l'alcool, à la prostitution, qui délaissent les classes et qui s'adonnent à la vie mondaine. Prions pour cette nation ivoirienne, là où la mort n'a plus de sens. Les sacrifices humains courent les rues. Prions pour notre nation ivoirienne, pour cette patrie que le Seigneur s'est choisie, pour cette nation où il a suscité des vocations, pour cette nation où il a oint des hommes de Dieu, pour cette nation où il a déversé son amour. Élevons nos voix, frères et sœurs, et prions pour notre nation ivoirienne. Nous voulons te bénir en ce temps de contemplation et crier à toi, Seigneur, pour que ton règne s'établisse dans cette nation ivoirienne, Seigneur. Pour que, Père éternel, des familles, des enfants, des vies, de prix, Seigneur. Nous voulons encore sauter tes merveilles, car c'est au cœur de l'adoration que tu déploies ton amour sur toute la nation. Tu l'as fait jadis pour Israël et tu le feras encore pour notre.
Et le Seigneur me met à cœur de dire à chacun et à chacune, il est bon de prier pour demander la bénédiction de Dieu pour sa vie. Il est bon de prier pour réclamer la protection de Dieu sur sa famille. Mais le Seigneur dit, il nous a suscités sur cette terre ivoirienne. Il a fait de nous des prêtres, des prophètes, des rois. Il a fait de nous des envoyés. Prions pour notre pays. Car s'il n'y a pas de paix dans ce pays, nous ne pourrons pas sortir pour proclamer la parole de Dieu. Prions pour cette jeunesse qui se perd. Car si cette jeunesse est gagnée en Christ, notre nation ivoirienne va retrouver la beauté que Dieu lui a promise. Prions pour ces familles qui se meurent. Prions pour ces personnes enlevées, décapitées, offertes en sacrifice pour la gloire d'un homme. Prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Mettons de côté nos besoins et regardons cette nation qui se perd. Le Seigneur nous donne ce message aujourd'hui. Prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Bénissons encore le nom du Seigneur, car pendant ce temps de contemplation, le Seigneur m'a mis à cœur l'image de Moïse, l'ami de Dieu. Il a dit au Seigneur, je veux voir ta face. En d'autres termes, je veux te contempler. Et le Seigneur dit à Moïse, tu es mon serviteur, mais je te ferai voir ma gloire et non ma face. Et pendant ce temps de contemplation, Dieu a donné à ses oints de voir sa gloire, de contempler sa gloire. Et j'aimerais que, en cette prière de fin, nous ne puissions pas élever des paroles, mais que nous puissions encore adorer le Seigneur avec un cantique qui nous sera inspiré par celui-là même par qui Dieu est passé pour nous réunir en ce jour. Que nous puissions encore chanter sa gloire et lui dire merci. Monte au sommet de la montagne, au sommet du Carmel, et demande au Seigneur, révèle-moi ta gloire, Père, que je ne sorte pas de ce lieu tel que je suis rentré, et que ta gloire rayonne sur moi, tel que ta gloire a rayonné sur Moïse, de telle sorte que son visage brillait de ta sainte lumière. Parce que ta gloire était établie sur sa vie. Adorons l'Éternel notre Dieu. Bénissons notre roi. Offrons-lui nos vies et demandons-lui de nous accompagner. Amen.
des postures qui expriment l'état de notre âme. Je vais nous demander simplement, en vos rangs, grades et qualités, nous allons adopter une seule posture pour recevoir une dernière fois la visitation de notre Seigneur. Nous allons poursuivre avec ce cantique, mais je souhaiterais que Angelo, tu le prennes en adoration. Doucement, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Et chacun dans cette posture va prier son Dieu, son roi, pour que quelque chose se passe, rien qu'en 3 secondes, pour que Dieu nous visite et nous marque de façon spéciale, qu'il réveille la marque du sceau de son esprit sur nos vies, pour que nous soyons des instruments inutiles pour l'expression de sa gloire. Un adorateur adore Dieu à genoux. Un adorateur ne regarde pas la prestance de ses habits. Un adorateur se roule dans la poussière pour le Seigneur. Un adorateur dit au Seigneur, je suis poussière. Un adorateur dit au Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, Père. Et fais tomber sur nous le poids de ta gloire. Nous voulons être emportés et transportés devant ton autel, Seigneur. Priez que pendant quelques secondes, ouvrons-nous ta maison, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire établie, Père éternel, sur le trône. Donne-nous d'entrer dans le lieu saint des saints, Père. Et de chanter ses musiques avec les anges. De témoigner, Père. Nous sommes partis de ton royaume, citoyens de ta gloire, ô Seigneur. Voici ma vie, voici mon cœur, voici mon être. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Thank you.
recherché au cœur de la louange. Et tu t'es révélé à chacun d'entre nous. Et tu dis, Père éternel, à Élie, sur la montagne du Carmel, c'est dans la brise légère que tu déploies ta gloire. Dans ce doux murmure, chacun de nous peut t'offrir toute sa reconnaissance et te dire merci. Merci pour ce jour nouveau, Seigneur. Merci, toi qui as fait lever ce jour sur ma vie, Seigneur. Merci, malgré les épreuves, tu ne m'as jamais laissé tomber, Père. Je veux te dire encore merci, car tu m'as donné de quoi manger aujourd'hui. Tu m'as donné la joie de voir le visage de mon épouse, de mes enfants, de mes frères et sœurs. Tu m'as conduit sur le chemin jusqu'en ce lieu béni, où tu as bien voulu encore me révéler ton amour, qui est comme toi, Seigneur. Que puis-je t'offrir pour cette grâce que tu me donnes, Père? Je ne suis pas spécial, Père, mais ta main puissante me conduit, Seigneur. Quand je regarde, Père, mes frères et mes sœurs que tu rappelles à toi, Seigneur, qui suis-je pour continuer à vivre encore en ce monde? Et Seigneur, qu'ai-je fait, Seigneur, pour que tu m'accordes cette grâce, Seigneur? Qu'ai-je fait, Seigneur, pour que tu me choisisses tel ton serviteur? Qu'ai-je fait, Seigneur, pour que tu ne me laisses pas dormir sous des ponts, Seigneur? Et que tu me donnes d'avoir un toit, Seigneur. Qu'ai-je fait, Seigneur, pour que tu m'associes à ce ministère? Qu'ai-je fait, Seigneur? Si ce n'est pas plus grâce, Seigneur, donne-moi de chercher à faire chaque jour ta volonté, Seigneur. De chercher à faire ta volonté, Seigneur, dans le progrès. Chercher à faire ta volonté. Chercher à faire ce qui te plaît et non ce qui me plaît. Cherchez à faire ce qui t'est agréable, Jésus. Oh Père, aide-moi de ne pas perdre le temps, Seigneur. Que je cours, Seigneur, que je cours chaque jour droit vers le but pour réaliser ta volonté, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Merci pour ces vies que tu guéris. Merci pour ta main qui se pose sur ces serviteurs que tu as réunis. Ces hommes de Dieu que tu consacres en ce lieu, Père. Je te bénis, Père, pour ton étoile qui se lève sur la vie, Seigneur. Je te bénis pour ce ministère que tu couvres, Père. Oh, comment ne pas te bénir, Yahweh. Comment ne pas te célébrer, Yahweh, Dieu pour moi. Regarde ces cœurs qui se lèvent à toi. Oh, Père. Donne ta réponse à toutes ces inquiétudes que nous te montrons. Tu es la solution de toutes choses. Merci Jésus. Merci Jésus. Je t'aime 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 Jésus. Merci Jésus. Je t'aime, Jésus. Merci, 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 Jésus. Je t'aime, Jésus. Merci Jésus, je t'aime Jésus, merci Jésus, je t'aime Jésus. Achever notre prière, frères et sœurs.
Je nous demande de prier pour celui en qui tu as suscité cette initiative. De prier pour notre frère Ange. De prier, de prier. Les tentations dans ce ministère sont nombreuses. Prions, prions pour que la main de Dieu soit toujours sur lui et le garde sur le chemin afin qu'il ne déroute point. Qu'il soit fidèle à l'appel de Dieu. Prions pour que Dieu lui donne de traverser toutes ces épreuves et que les cantiques que Dieu lui inspire soient pour sa gloire et pour la conversion des âmes. De tout ton cœur. Offre cette prière pour ton frère Ange au Seigneur. Je te bénis, Père éternel, pour ce frère que ta grâce m'a donné de rencontrer, Seigneur. Car tu avais déjà écrit cette rencontre depuis le commencement. Et tu as bien voulu, Père éternel, unir nos vies pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Je te bénis pour ce ministère que tu confies à ton serviteur. Je te confie sa vie spirituelle, Père. Je te confie sa vie sentimentale. Je te confie tout ce dont il aura besoin pour que ce ministère grandisse selon ta gloire, Père. Les jaloux sont tapis dans l'ombre, Père. Les propositions indécentes, Seigneur, mon Dieu, tournent autour de lui, rôdent autour de lui, Père. Mais tu connais le cœur de ton serviteur, Père. Ne le laisse pas fléchir, Seigneur. Peu importe, Père éternel, la difficulté de l'épreuve, ne laisse pas ton serviteur fléchir, Seigneur. Entends nos supplications, Père. Et souviens-toi de ce jour où nous avons prié pour lui, afin que tu le sortes de l'ombre de la mort. Bénis le ministère qu'il a vu naître. Bénis son père spirituel. Bénis sa mère spirituelle. Bénis tous ses frères et sœurs qui l'accompagnent chaque jour. Bénis ses frères en Christ. Bénis ces hommes de Dieu, moi. Bénis, Père éternel, cette maison de nos accueils. Bénis celle que tu as placée à ses côtés. Quelle soit cette aide pour toujours soutenir ce serviteur que tu nous as donné. Suis-nous tous enfin, Seigneur. Nous voulons te demander, Père éternel, de garder nos cœurs dans cette joie et dans cette paix. Car la joie est l'expression de la présence du Saint-Esprit de Dieu. Et que tout ce que nos mains vont toucher, que ce soit pour ta gloire, toutes les maisons, toutes les terres que nos pieds vont fouler, que ce soit pour ta gloire, que toute parole que nous allons libérer en ce jour et les jours à venir et les années à venir soit encore pour ta gloire. Et pour ce ministère, que toutes ces personnes qui ressentent au-dedans d'elles de soutenir, de bénir ce ministère, ouvre toute porte de bénédiction sur leur chemin, Seigneur, afin d'attester que c'est toi qui établis ce ministère, parce qu'elles ont décidé simplement de soutenir financièrement, spirituellement, physiquement ce ministère, qu'elles soient visitées violemment et puissamment par ton amour et ta grâce. Pour attester que lorsque tu bénis, ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Honneur et louange à toi, Seigneur. Donne un retour favorable à chacun et à chacune. Et à nous que tu as appelés, que toute l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que Dieu te bénisse en toi. Amen. Amen. On peut se lever et acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia!
avant-hier, le seul endroit où tu sors restauré, le seul endroit où tu sors visité, rempli de conviction, de courage, c'est la présence de Dieu. Et c'est ce que nous avons vécu en ce jour. Contemplation. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Alors merci de vous asseoir. Alors je tenais à dire merci à toutes ces personnes qui...